Bonjour à tous et bienvenue dans la Bibliothèque universitaire du Havre. Choisir de venir étudier au Havre, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que, ici au Havre, nous avons développé un campus qui regroupe un peu plus de 13 000 étudiants et qui est un campus compact de centre-ville, organisé quasiment à 10 minutes à pied autour de la gare, dans une ville qui se transforme très rapidement, dans une ville dont on oublie parfois trop souvent qu'elle n'est pas simplement cette grande ville portuaire, industrielle, mais qu'elle est aussi une ville littorale, une ville touristique, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville à l'architecture étonnante et à la culture extrêmement riche. Venir faire ses études au Havre, c'est s'installer à 2 heures de Paris, près de la mer, dans un lieu où les croisements entre les disciplines et entre les nationalités sont un exercice quotidien et habituel. Un port, c'est un endroit où on échange des marchandises, bien entendu, mais c'est aussi un endroit où on échange des idées. C'est un endroit où on est obligé de regarder très loin à l'horizon et donc d'être tourné vers l'international. L'offre universitaire que vous pouvez trouver au Havre est large. Et chaque année, elle se développe avec l'arrivée dans le campus de nouvelles formations, de nouvelles écoles qui choisissent de s'installer au Havre justement parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir trouver un terrain et un réseau extrêmement adapté à leur développement. Il y a une dizaine d'années, Sciences Po Paris a fait le choix d'installer au Havre son premier cycle consacré à l'Asie. À l'époque, beaucoup de gens se sont demandé si des étudiants qui venaient de Chine, d'Inde, du Japon, de Corée du Sud feraient le choix de venir au Havre, dans cette ville universitaire, qui est finalement une ville universitaire récente, pour s'installer. En 10 ans, le succès est absolument considérable et plus intéressant encore, le retour de ceux qui font le choix de venir s'installer au Havre est excellent. Faire le choix du Havre, c'est faire le choix d'un campus à taille humaine, d'un campus tourné vers la mer, d'un campus dans lequel la dimension scientifique, technique, est inhérente à cause de cette présence industrielle très forte. C'est faire le choix de laboratoires de recherche qui sont performants, c'est faire le choix d'une proximité vis-à-vis de l'Île-de-France qui est toujours pratique, c'est faire le choix de participer à une aventure qui dépasse d'une certaine façon le campus, celle de la transformation d'une ville, celle de son ouverture vers le monde. Autrement dit, c'est faire un excellent choix. À bientôt au Havre.